Je pense que c'est impeccable. C'est bien. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mesdames et messieurs, dames. Ça me convient. Voilà. C'est lent ça. Beau travail. Oui, j'aime bien me... féliciter un petit peu. Je dois avoir un... voilà. Parfait, ça. Excellent, même. Typiquement, les caillasses que j'adore placer, parce que je trouve qu'ils ont une belle texture, ils ont un beau relief, c'est qui. Là, chat, quand même, faut dire, il a un beau relief, ce caillasse. C'est ici que je sais pas trop... oui. Il a un beau relief, hein, ce caillou-là, j'aime bien, je trouve, il a un beau relief. Là, il est pas mal non plus, mais il est pas évident à placer. Peut-être que... c'est plus gros, tu vois, ça c'est... c'est pas évident, ça. Ça, c'est pas très évident à placer, du coup, j'ai pas placé le bon, là. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est... celui-là, il est bien, je trouve vraiment fort, ce caillasse-là, il est vraiment incroyable. Mais l'autre est bien aussi, celui-ci... celui-ci, voilà. Celui-ci est propre aussi. Hein. Il est propre à la... au niveau texture, j'aime bien. Tu mélanges les deux, là, ça fait un jumelage qui est pas mal, je trouve.
J'aime bien celui-là. Bon. Mal, c'est mal. Ça devrait aussi faire un pinceau à cailloux. Ah, il devrait aussi faire un pinceau à cailloux, mais ça se trouve dans Planet Coaster 2, le pinceau cailloux, c'est pas que ça sera pas que pour les planches, le pinceau comme tu dis. Ouais, ouais, j'avoue, je vois que ça regarde des vidéos de Planet Coaster 2 en masse ici. Ouais, je vois, le pinceau, c'est un truc de fou, ça, j'avoue. C'est un truc de ma boule, ça, le pinceau qu'ils ont inventé là. Ça risque d'être un truc de malade, ça. C'est sûr qu'il va y avoir. C'est sûr qu'il va y avoir un pinceau, c'est sûr. Un pinceau et caillasse, c'est sûr. Attends. Tu peux pas penser ça que pour les arbres, c'est possible. Franchement, tu pourras pas penser. Je pense que le pinceau de Planet Coaster 2, ils peuvent pas s'arrêter que pour les arbres. Ils vont être obligés de faire ça pour les cailloux, pour les plantes. Ils font ça pour les arbres, ils vont faire ça pour les plantes aussi. Et quand tu veux mettre des buissons, quand tu veux mettre des fleurs, quand tu veux mettre. Nemona, comment ça va, Nemona? Bonsoir. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Positionne-toi, oui, t'as bien, ça va, la forme, la patate, la puissance. Et toi, sur Planet Coaster 2? Tu prends quelle édition? Tu prends l'édition standard ou l'édition deluxe? 50€ ou 65€? Oh, attention, on n'est pas sur une PS5 Pro. Hein. Les prix sont... Ça va? Oui, j'ai pris le deluxe. Deluxe, très attraction en plus. Précommande et tout ça. Précommande, t'as 3 attractions. Précommande, t'as un truc qui ressemble à Doom Buggy. T'as du water coaster. Et t'as un flat ride, je crois, quand tu précommandes. T'as 3 trucs en précommande. Non mais j'ai compris, j'ai pris les deux, c'est juste inquiète. Oula, j'ai mal écrit, non, t'inquiète. Oh, y'a pas de souci, ça. Ouh, ce n'est pas un souci, écoutez. J'aime bien ce genre de parasol, je pourrais peut-être prendre ceux-là, mais on va changer leur couleur si on les met ici. Par exemple, ici, je pourrais peut-être prendre parasol, t'es. Ça comme ça. Peut-être qu'on pourrait mettre ça sur celui-ci, on pourrait peut-être mettre ça à côté de manière
Comme ça, par exemple. Pour voir un peu si ça le fait, tiens, on peut incliner un para, tu vois. Par contre, là, j'ai dit que je le mettais bleu, blanc et noir pour le... Et celui-ci, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre blanc, bleu, là, je vais mettre noir quand même. Mal sur celui-là aussi, comme ça. Le poteau bleu comme ça, c'est pas mal, non? Un autre parasol pour ici. Quelle couleur on peut lui prendre sur celui-ci? On va pas mettre noir. Blanc. La bleue. Si on pourrait. Un parasol noir, c'est quand même pas terrible, non? Non, c'est pas bien ça. C'est mieux comme ça. Oui, eux, ils ont pas de parasol ici, c'est pas grave. On s'en fiche. Un qui est à l'ombre, un qui est au soleil, tu vois, t'as vu le truc? C'est juste pour la tête. Et la tête! Et là, je le mets. Lui, il est déjà plus ou moins à l'ombre avec les palmiers. Ça serait celui-ci. Hop, voilà. Et là, on va changer pareil les couleurs. On va mettre du violet. Du violet avec bleu ciel. On va le mettre du rond peut-être, on peut dire. Là on va mettre du rouge avec du jaune avec du gris. Celui-ci, nous allons mettre du rose avec du orange. Ça passe pas avec du violet ainsi que du gris. Là nous partirons sur du violet. Non, j'ai déjà mis, je crois. Non. Nous partirons sur du orange avec du rouge. Et nous restons sur l'armature en grise. Là nous partirons sur... Évidemment, là, je m'embête pas à prendre les couleurs de la palette. Hein. Je vais vite. On va reprendre du vert avec du jaune. Avec... Pas dégueu, non? Des couleurs, oui. Jaune orange, oui, c'est couleur un petit peu. Faire un petit chemin comme si il venait d'ici pour aller sur la plage là. Hop.
fait comme si ici il venait d'un petit chemin ici. On va le faire en sable mouillé. Pas mal ça. Essaye de faire des plages artificielles. Des petites plages artificielles, tu vois. Il va falloir que je mette des boutiques en masse aussi. Ici, il va y avoir ici, il va y avoir boutiques et compagnie, hein, les amis. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il va y avoir plein de bâtiments, plein de boutiques, plein de trucs, là. Plein de boutiques, plein de bâtiments. Ici, il va y avoir des... comme des centres de... pas des centres de centres commerciales, mais des restaurants, des boutiques, des... Je vais peut-être même faire ici une piscine intérieure. Ou ici. Ici, je voulais faire une piscine intérieure, mais je suis pas sûr. Après, j'ai ce bâtiment-là. Il a été mis... donc, faut que... Ouais. Là, il y a une piscine déjà, tu vois. Bon, ça, je suis pas sûr. Hein. Le flat qui est là. Ouais, c'est un truc pour gamin. Et vu qu'on peut pas les thématiser comme dans Planet Coaster 2, ça me fait un peu chier. Ça va un peu chier ce flat parce que j'aurais bien voulu pouvoir le thématiser comme dans Planet 2. Bah oui. Si on avait pu de l'habiller et tout ça, ça aurait été cool, non? Pas mieux sur le workshop, j'ai pas mieux. Non, je peux pas, parce que après, mais ça va dans le thème. Oui, c'est vrai, mais tu vois, même si ça va dans le thème, je trouve qu'il fait un peu tachos ce merdier là. Ou alors sinon, faudrait que je le déplace pour le mettre à un endroit. Par exemple, je peux le mettre à l'entrée. Je sais pas, tu sais, quand t'arrives ici, je pourrais peut-être le mettre là, thématisé, mais ça va pas avec ce qu'il y a derrière, donc ça serait mieux avec ce qu'il y a ici. Ouais, ici, il était pas mal, en fait. Si je le mets ici... Je le mets ici, je le thématise, le petit truc. Ça pourrait... Ça s'irait avec l'ambiance qui est là. Je vais le mettre par là, plutôt. Je vais le plutôt comme ça. Parce qu'en fait, je regarde comment je peux le thématiser. Je vais le mettre plutôt comme ça. Ici. Par exemple, on va placer l'entrée... L'entrée, je la place ici. La sortie, je la place là. Et là, je vais faire tout de suite une allée qui va correspondre. Sauf que je veux pas de ça, ça. Pas de ça, pas de ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Il n'y a pas de... Comme ça, j'ai rien tout autour, là. J'ai plus de barrière ni rien. Ça, c'est beau, ça. Et là, tu sais ce qu'on peut faire, là? Là, on peut faire un truc stylé, là. On peut faire un truc de manière... on va sélectionner tout de suite, de toute façon, on n'a pas le choix. Pirate et même western. Hop. C'est le meilleur truc, c'est le meilleur truc à faire, crois-moi. C'est le meilleur truc à faire, crois-moi. Et là, je pourrais peut-être partir sur un thème comme ça, tu vois. Dans l'idée. Par exemple, on part sur un thème comme ça.
Après, si je fais la file d'attente, toi, c'est pour le... Pour la file d'attente, ça serait de la théma pour la file d'attente, ça. Là, je le mets comme ça, je te montre un peu, mais après, au pire, pour la sortie, c'est pas très grave aussi, on peut mettre ça comme ça, hein. On peut mettre ça comme ça pour la sortie, c'est pas très grave. Et ce qu'on voulait, enfin ce que je voulais vous montrer, ça serait plutôt ça, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être super génial, mais je sens que je vais galérer à le mettre tout autour. Alors soit ça, je le mets en barrière de la file d'attente, comme ça, tu vois, par exemple. Là, je le mets à la main comme je te pousse, hein, parce qu'on n'est pas des Allemands. Tu vois, je mets ça comme ça. L'idée, ce serait ça. Là, je pourrais faire un truc comme ça. Ou alors... Un truc comme ça, mais là, j'ai peur que ça soit merdique à souhait. Et c'est vraiment le cas. Et je suis un peu teubé parce que j'aurais dû utiliser ça comme ça, ici. Je vais faire ça comme ça. Et ça, j'aurais dû l'utiliser pas comme ça. Comme ça, comme ça. Là, il y a un support qui traîne, là. Je sais pas ce qu'il faut, là, d'ailleurs. Je vais le mettre ailleurs. Les parties de cylindres minuscules. Oh là là, putain, c'est un truc qui est... Ça, c'était un support de pour faire des... Mais c'est ça que j'aurais dû prendre pour faire les supports de tub. De toboggan, là. Parce que regarde, c'est carrément mieux ce support là que le gros truc de cinglé que j'ai mis. Oh bah ouais. Alors on verra bien après. L'arche en os de baleine, oui. Ah oui. Oui, t'as raison. Évidemment. Ici ou là? Ça, ça fait cowboy. Ah, ça, ça fait pas mal aussi avec la lumière quand même, non? On le mettrait ici, ça, ou on le mettrait ici? Avec la lumière, ouais, bah oui. Celui-ci, ça serait plutôt pour dire que ici on arrive dans le land Kiko, non? Ah, tu vois, ça fait chier, ça fait ça. Là, ça me fait. Pour dire qu'on arrive dans le land. Plus ou moins un peu pirate cowboy. Oh boy! Ah mais non, j'ai une autre idée par rapport à ça. Enfin, j'aurais voulu en faire un fer à cheval mais je peux pas. Merde. Je voulais en faire un fer à cheval mais non. Pas bon, pas bon, pas bon. Pas bon du tout.
Ce que je veux, c'est pas ça. Hein. Je veux, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, par contre, il va me le falloir, ça. Ça, ça va être indispensable. Donc, je vais en mettre un peu ici, comme ça, je les aurai. Voilà. Mais je sais pas. Bah... Non, je l'ai pas vu passer, ou c'est mes yeux, ou... Concernant... Soit c'est mes... Alors voilà, c'est là. Soit c'est ce truc-là. Ce truc-là, je pourrais sans doute le mettre tout autour. Ce sera plus facile à mettre, ça, non? T'en penses? C'est ça que je cherchais depuis le début, en fait. Hein. Ah oh, le mauvais. Je sélectionne la mauvaise mauvaise partie de l'accessoire de déplacement à rotation incroyablement infinie K2B32 100 MHz à 480 kWh. Voyez-vous. C'est bien ça. You know. Bidouda. Bidouda. Alors là-bas, j'étais censé mettre les supports du toboggan et puis me voilà à faire... Ah mais attends. Peut-être que je sauvegarde avant que j'ai des soucis, non? C'est plutôt peut-être pas mal, tu vois, quand je le mets ici. Puis ici, je fais l'entrée de la... Là, je fais la file d'attente. La file d'attente qui partirait, tu vois. Ah bon, c'est un... C'est un flat crotte de nez, quoi. Ah, vivement Planet Coaster 2, où on puisse mettre... Qu'on puisse mettre des items, là. Thématiser des trucs posés, là, sur les... Ah là là. Ah là là, mes amis. Comment vous savez même pas comment je vais... Je vais même plus sortir de chez moi. Quand Planet Coaster 2 va sortir, je crois que je vais même plus sortir de chez moi pendant un bout de temps. Ça va être... Pouf. Ah là, je peux te dire qu'il va y en avoir des piscines avec de l'eau sale. Moi, je te le dis. Les gens, ils vont nager à côté des étrons. Non, 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 on va essayer de faire gaffe. Impeccable. Ça va être drôle à faire. Ouais, ça va être drôle à faire de fou, mais ça va être génial. Ça va être super génial, franchement, thématiser les flats, thématiser les trains, les gares, encore plus, de coasters et tout, ça va être magique, ça va être ancestral, comme dans la scène, ouais, ça va être comme dans la scène, c'est ça. Non, 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 on va essayer de faire des piscines où c'est que l'eau de la piscine sera carrément... non, 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 l'eau de la scène, c'est pas possible, c'est quand même considéré comme de l'eau très dégueulasse, on peut pas se permettre, là.
Ah, on dira des athlètes qu'on a gelés et des gens qu'on a gelés dans la scène. Hein. Ils ont eu des boutons, on sait pas ce qu'ils sont là. Ça se trouve, il y en a qui sont morts. Hein. Il y a des athlètes qu'on a gelés dans la scène d'autres pays, ça se trouve, ils sont morts. Hein. Ils ont l'eau un peu plus propre dans des flaques chez eux, quoi. Dans des flaques par terre, il y a l'eau et c'est sûrement plus propre. Et je dis ça, moi j'ai la scène aussi chez moi. Hein. Attention, je suis pas de Paris, mais le beat est bon. Regarde, ça fait ce genre de petits trucs comme ça, c'est pas mal, non? Écoute. C'est cool ou c'est pas cool? Moi, je trouve que c'est pas mal, hein? Et tu sais ce que je voulais faire? Alors, c'est peut-être grossier de ma part. Très cool. Nice. C'est grossier de ma part, mais je voulais faire un truc comme ça, ici. Je vais faire ce genre de truc là. Je sais pas pourquoi ça va me traverser la casquette là, la caboche. D'une certaine manière, c'est pas nul, je pense. Juste pas évident, hein, parce que bah on n'est pas dans Planète 2, tu vois. On n'est pas dans Planète 2, donc c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Les liaisons dangereuses. Nous pourrons mettre une lumière. Toute petite lumière comme ça ici. Ah non, c'est peut-être pas assez, remarque. Ça serait plus de la lumière stylée, ce serait comme ça. Comme ça, ce serait de la lumière stylée comme ça, non? Ou alors celle-là. Je vais essayer l'une des deux. Can you play my park? You know? It's cool, quoi. Petit park. This. You know? Hello? Hello, welcome? En travers. Comment ça, en travers? Tu peux play mon parc? C'est ça qu'il dit? It's cool. Tu peux play ton parc? Ouais, 15 euros. More expensive. Play your park. En travers. Tu peux mettre une poutre à travers. Ah oui, oui, t'as raison. T'as raison. Et je vais même mettre ça aussi. Ou alors même mettre ça directement. Non? Mettre un tonneau au sol. Faut mettre un tonneau au sol. Pourquoi? Que ce soit moins linéaire. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui. Jeu des rambardes. Non.
c'est pas bien ça. Ça c'est nul, ça c'est nul à chier, ça au pire faut mieux le mettre là, tu vois. Limite tu mets les... Bah non, bah ça sert à rien en fait, là y a pas de... Non, ça aurait été là, que ça aurait été pas mal à mettre par là, mais... Ça aurait été pas mal à mettre par là, mais en fait ça sert à rien, et puis je peux même pas le mettre ici, ici ça, ça sert à rien, ça rime à rien, ça... Non bah ça je le dégage, hein. Ça c'est nul ça. Ça c'est un échec, ah sauf si... Sauf si j'arrive à faire quelque chose d'incroyable comme ça, tu vois. Mais ça cache la, l'attraction, c'est con. Ah, il y a une idée là, hein. T'as vu ou pas? Il y a une idée là. Oh, il y a une idée là. Et de génie là. Là, il y a une idée de génie là. Je peux pas la... Ça va pas. Ça, ça n'y va pas. Ça n'y va pas. Mon idée de génie tombe dans la flotte comme un caillou. Comme une saloperie. Con, hein. Attention, le génie est en train d'opérer, hein. Je répète. Le mec qui se la donne. Ouais. Je me la raconte un peu, ouais. Ouais, ouais, c'est Exa. C'est Exa, Exa. Exa. Deux. J'avais vu ça, moi non plus. Ah, toujours plus! Non, mais c'est bon, on va se calmer un petit peu là. C'est bon. Calmons-nous.
Toujours pas. Comme il est couché sur le teco comme ça, le bateau. On pourrait peut-être faire un truc comme ça, tu vois. On pourrait faire un truc comme ça, en fait. On pourrait faire un truc de folie comme ça. Le fait que le bateau soit couché sur le côté pour faire une sorte d'épave. Même, tu sais. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Ah là, là, on part sur un truc. Oh ! Bonsoir. Incroyable ! Monsieur Pépère ! Ludo ! Incroyable ! Bonsoir, bienvenue les amis, comment allez-vous ? Incroyable ! Des futurs joueurs de Planet Coaster 2 ? Peut-être possible ? Comment ça va les Lolo ? Welcome ! Bonsoir, bienvenue ! Salut Tessien ! Incroyable, je suis en position latérale les amis. J'ai hâte qu'on puisse thématiser les flat rides. Bonsoir, bienvenue, merci Monsieur Pépère Ludo, comment ça va ? La forme, la patate, la puissance ? Comment allez-vous ? Je suis en train de faire un truc ici, tu vois, on essaie de triper sur un petit flat. On essaie de triper sur un petit flat Kikou. Kikou flat. Kikou flat, hello, welcome, bonsoir, bienvenue, bonsoir, oui. Déjà en possession du 2, moi déjà en possession du 2. Je sais pas. Non, tu crois ? Ouais, possession du 2, non, pas possible, j'aimerais. Ah, si seulement c'était vrai. Bonsoir à tout le monde qui vient d'arriver. Bonsoir à vous tous, bonsoir. Incroyable, Vincent Bastien, le Gaulois, Darkmo, c'est comme ça qu'on dit. Coaster Fan, hey, je te connais, toi. Balou, NC, Pepper Ludo, évidemment, incroyable, Andrew Holland, aïe, 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 tout le monde, excusez-moi si je dis mal les noms, les pseudos, les names. Merci à vous, Bat. Ça va, on était sur un quiz Disneyland Paris, j'espère bientôt en position du 2. Ah, un quiz Disneyland Paris. Incroyable, Disneyland Paris. Il va y avoir le flum Hakuna Matata. Incroyable, le flum Hakuna Matatax. Non, le splash. Le splash, comme on dit, c'est ça. Ah ouais, Monsieur Pepper Ludo fait du quiz Disneyland. Le professionnel du parc Astérix fait du quiz Disneyland. Incroyable, ça aussi, excellent. Excellent. Moi, je suis en train d'essayer de peaufiner un petit peu l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire la construction, la thématisation. On essaye un petit peu les toboggans, les piscines. Comme il y en a qui peuvent le constater, on n'est pas sur Planet Coaster 2. Mais on fait du Planet Coaster 2 quand même. On est un peu attaqué, on est un peu un petit peu ravagé. C'est sur le principe où, tu vois, les toboggans sont quand même un délire, quoi. C'est quand même un délire de faire du toboggan quand même. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Ça fait plaisir. Salut Tessien. Thank you. Merci. Darkmo. Merci à toi. Positionne-toi. Merci. T'as trouvé le moyen de bien te positionner confortablement. Merci pour la force, la patate, la puissance. Merci encore, monsieur Pepper Ludo. Ça fait plaisir. Et vous, monsieur Pepper Ludo, ainsi que le chat. Quelle édition vous allez prendre ? Planet Coaster ? Planet Coaster 2 ? L'édition de luxe ? L'édition standard à 50 ? L'édition de luxe à 65 ? Et vous, à quoi vous jouez ? On est d'accord ? On est d'accord ? Les meilleurs. Je vais m'assurer un petit peu, quoi. J'attends Noël pour l'acheter, je pense. Noël ? Ah, le 6, hein. Le 6 novembre. Le 6 novembre, l'édition à 50 balles. L'édition à 50 euros. Sinon, l'édition à 65. Si tu préco, t'as 3 attractions. T'as ce qu'on peut appeler les Doom Buggy qui ressemblent. T'as les Doom Buggy de Phantom Manoir. Là, t'as les sièges qui ressemblent un peu à sorte Dark Ride de Doom Buggy. T'as, si j'ai pas de bêtises, un Water Coaster ou un Wagon Water Coaster et un Flat Ride. En précommande, t'as 3 attractions. Et si tu prends l'édition de luxe, t'as 13 attractions. Vintage, Fairland, ou je sais plus exactement le thème. Évidemment, on va retrouver des coasters de Planet Coaster. Il va y avoir des coasters Planet Coaster sur Planet Coaster 2, je pense. Les DLC vont faire partie... enfin, les DLC. Le pack de luxe. Évidemment, il y aura des DLC. N'essayerait pas donc il d'essayer un petit Lazy Time, tiens. Lazy Time, 17h45. Le temps où le soleil se couche. Incroyable. Eh, tu te rends compte quand même, Planet Coaster, quand même, là? Toujours incroyablement, les effets de lumière et tout, là. Imagine sur le 2. Aïe, 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 sur le 2, comment ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Ça va être... ça va être une curie de cinglé. Ça va être malade mental, comme certains disent.
J'ai pas bien mis toutes les lumières partout. Merci, merci Dark, quand même, ça fait plaisir. Darkmo, ça fait plaisir, merci à toi. Faut que je fasse ma préco d'ailleurs. Ah oui, ah bah oui, il faut faire une préco si t'as envie d'avoir le contenu maximum de la sortie du jeu. Pour te dire que ouais. Donc là, en fait, j'étais parti sur une petite thématisation plus ou moins qui allait dans ce land-là, le land où on est un peu plus ou moins cow-boy coucoute ici. Donc là, je suis en train de thématiser plus ou moins un petit flat. En fait, je viens de le poser tranquillement. On a fait la file d'attente, on a fait tout. On s'est amusé un petit peu tranquille, tu vois. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas mis... Hey, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse aussi, chat, on a dit. Hein. Attends, parce que hop, je repars en construction. Si je mets de temps en temps, regarde, tu vois, tu mets des tonneaux comme ça dans la file d'attente. Bah, d'accord que c'est pas dégueu. Tu mets des tonneaux dans la file d'attente comme ça. Et à chaque tonneau, tu mets une lumière dessus. C'est propre quand même, c'est stylé ça. Hein, c'est simple, rapide. Et c'est validé quand même. Moi, je pense que c'est validé. Que moi, j'aime beaucoup cette idée. C'est pas forcément quelque chose d'incroyablement compliqué à faire. Et c'est de valeur sûre, ça marche bien. Un tonneau, une lampe, un tonneau, une lampe, une lampe, un tonneau. Et un peu de sucre en poudre. Hein, j'aime bien faire ça. Franchement. C'est bien trouvé. Yes. Oui. Allez, falloir que je cherche quoi. Le Lazy Time sur Planet Coaster 2. Ah oui, le Lazy Time sur Planet Coaster 2. Bah là, on est sur 17h45 sur Planet Zoo, c'est comment? Tu joues à Planet Zoo, toi, Lazy, aussi, non? Sinon, on a 18h, c'est pas pareil. Attention, il y a 16h. 16h45, on regarde. 16h45, tu vois, il y a quand même un effet de début de coucher de soleil. C'est quand même pas dégueu, en plus, 16h45. Tu vois, regarde les effets, là, les ombres, la lumière et tout. Ray tracing, DLSS, FSR, 4K, carte graphique à 5000 balles. Pouf, zéro, faux, nul. Rien de tout ça, hein. Rien de tout ça. Là, j'ai juste un hamster qui tourne dans une roue. Qui me fait du courant, quoi. Ça fonctionne vachement bien. Ah, et j'ai dit un hamster, pas dit une souris, hein. Donc, autant te dire que, tu vois, le concept est pas... J'ai ratatouille. Ouais, j'ai loué deux ratatouilles. Peut-être que j'aurai plus d'électricité. On va changer. On va mettre 19h45. Je pense que c'est complètement la nuit, 19h45, non? C'est pratiquement une nuit, hein. Ouais, c'est pratiquement une nuit, regarde. Ici, si tu veux te taper un petit café, tu vas dans la bibliothèque, là, te prendre un petit bouquin, un petit café posé dans une banquette, au calme, un peu un style... je savais pas que c'est un style un peu Harry Potter, mais il y a une inspiration, tu vois. Enfin, je suis inspiré de plein de choses. Hein. Ça, c'est sûr que, tu vois, je pense que tu comprends. Et puis, en dessous, on est complètement dans un autre univers. C'est-à-dire qu'en dessous, c'est la flotte, si tu veux, tu vois. De ce genre de bouée de nuts, tu vois. C'est incroyable, ça. Ce genre de bouée de nuts, moi j'ai envie de me baigner là-dedans. Bon, il y a peut-être un petit peu 4 mètres de profondeur, mais bon, ceux qui aiment bien aller le profond sous l'eau. Là, tu te poses ici. Ah, tiens, ça, ces petites lumières-là que je vais mettre sur les tonneaux. Et sûr, tu peux aller aussi dans ma propre maison qui est. J'ai sympa les intérieurs. Aïe. On est posé. C'est pas des saucissons, hein. Certains pourront croire qu'il y a du saucisson là qui pend, mais non, c'est pas des saucissons. Hein. Vraiment. C'est l'idée d'ailleurs. Après, ça fait un petit peu peut-être futuriste en même temps. Tu sais, on mélange des styles quoi. Après, mon petit spot, on va dire, au milieu, tu vois. Ici, franchement, j'accueille tous les gens. On est bienvenus ici. Faire une petite pool party. Bon, c'est, on dirait un pédiluve, mais on n'est pas trop mal, tu vois. Enfin, ici, c'est le spot adéquat quoi. Pour passer un bon moment. Une soirée, tu regardes peut-être au coin du feu, tu te poses ici avec des amis, tranquille, écoute de la bonne musique, si t'as envie, tu te fais une petite borne d'arcade, si t'as envie, hop, tu te claques une petite partie, là tu vas te chercher ta petite boisson, puis ici t'as la flemme de redescendre, ici t'as un ascenseur, plus ou moins, tu vois, regarde, l'ascenseur t'amène, hop, ici, et là, t'arrives là, tranquillement, et là tu te dis, mais sacré nom de, mais il y a un maillot de bain, deux pièces, quelque part. De l'eau. Une piscine. Mais un plongeoir. Un petit Metal Slug. Ouais, exactement. Dédicace représente, tu sais. Le petit plongeoir aussi. Mais également, tu peux... Comment dire,
reprendre de la hauteur. Si tu veux, une fois que tu t'es baigné dans l'endroit où c'est qu'il y a les pompes, non, évidemment que l'eau est propre, c'est un style, hein. Tu peux reprendre l'escalier. Bon, ici, j'ai une boutique à mettre, ici, je sais pas, si c'est un vestiaire, une boutique, faudra bien voir comment on va aménager le truc. Une fois que tu as repris les escaliers, que tu es remonté, tu auras pris un peu d'hauteur, ouais, tu te remets bien ici, quoi. Parce que bon, on peut pas descendre en toboggan, il n'y a pas de... Non. Bon, ici, il y a tic-tac, faut les laisser tranquille. On peut pas descendre en toboggan, c'est qu'un effet de style, ça, c'est, tu vois. C'est juste, tu te mets là-haut, tu te poses, musique, ambiance, tout, ta tactique, tac, tac, tac. Tu vois. Après, il est vrai que on peut, si je dis pas de bêtises, il y a une séquence. Est-ce que... Ah merde, ça fonctionne plus la séquence. Si ça fonctionne, regarde. Voilà. Petite ambiance, petite séquence dans le délire, tu vois. Alors ça va être carrément mieux dans Planet Coaster 2. Les séquences et tout, ça va être vachement mieux. Ça sera comme dans les montages, tu sais, t'auras une sorte de timeline ou ça, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et tu pourras mettre des morceaux et t'auras ta piste de lecture et t'auras l'avancée. J'ai pas les termes, j'ai plus les termes parce que là, j'ai pris de cours dans... T'sais. Et ça va être vachement bien pour faire des séquences et tout. Ça va être un truc de malade. Franchement, ça va être un truc de malade dans Planet Coaster 2. Faire des séquences et tout, ça va être incroyable. Customiser des trains de coaster, des coasters, des flat rides, ça va être incroyable. De faire des chemins partout, ça va être incroyable. Faire des piscines, des toboggans, ça va être incroyable. Faire des transfert tracks, tout Atis, Voltron, je pense qu'il va y en avoir en masse, ça va être incroyable. Réduire et grossir un objet, ça va être incroyable. Avec un pinceau, tu vas pouvoir copier-coller énormément dans la végétation. J'espère qu'on pourra le faire avec les cailloux, j'espère qu'on pourra le faire avec autre que les arbres. Ça va être incroyable. Plein de choses qui vont être incroyables, des choses qui me traversent l'esprit, parce que j'en oublie sûrement et forcément. Ça va être incroyable, la thématisation va être incroyable, les textures vont être incroyables, le thème, le jeu, la mécanique, le réalisme aussi, les possibilités, le partage aussi, le workshop va être, ça va être encore plus facile, Coaster Passion, positionne-toi, comment ça va, le welcome. Ça va être tout, va être vachement bien. Oui, comme dans Roller Coaster Tycoon 3, carrément mieux. Roller Coaster Tycoon 3, ah là là, incroyable ce jeu, Roller Coaster, incroyable, carrément mieux. Eh bien moi, j'ai acheté la version Deluxe, j'ai pas de Coaster 2. Ah, incroyable. Et forcément, tous les fanatiques, tous ceux qui... Mais oui, c'est forcément la solution. Je suis d'accord avec vous. Il faut, si t'as envie de bénéficier du maximum... Après, tu vois, moi, j'ai parlé beaucoup de prix. Mais si tu veux bénéficier du maximum de Planet Coaster 2, il est vrai que tu préco l'édition de luxe à 65 balles. Franchement, quand c'est un jeu que tu sais que ça va te... Ça te passionne, tu aimes, tu adores, et tu as... Faut que je respire, je parle trop. Tu as tellement de projets, tu as tellement de... Enfin, tu sais que c'est le jeu qui est fait pour toi. Pourquoi se priver, toi? Pourquoi se priver? Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont dire... je vais prendre l'édition à 49 dans un premier temps, puis je verrai, puis tant pis, c'est pas grave. Peut-être que l'édition de luxe, on pourra la revoir dans des DLC futurs ou autres. Je suis pas sûr, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que les gens qui ont pris l'édition de luxe, il y aura des DLC qui vont sortir avec l'édition de luxe, ils vont être là, à quoi ça sert? C'est un choix. C'est pas encore excessivement cher pour le potentiel de du jeu, tu vois. Quand même, depuis 2019, le jeu Planet Coaster n'est plus mis à jour de rien du tout. Le workshop l'a quand même sorti un petit peu de l'obscurité, d'une certaine manière. Peut-être pas pour tout le monde, parce que Planet Zoo est arrivé, Planet Coaster, on n'entendait plus rien, tu vois. Donc là, franchement, Planet Coaster 2, on a appris en début d'année Planet Coaster 2. Le 6 novembre, Planet Coaster 2, il sort. Franchement, 2024, j'ai envie de vous dire, achetez un maillot de bain, une serviette, et puis ça va être parti, quoi. Et pas que, parce que si vous aimez pas les piscines et les toboggans, franchement, Planet Coaster 2, il y a quand même énormément d'autres choses à faire aussi, également. On va remettre en version hop de jour. Après, je veux pas non plus influencer les gens qui hésitent. C'est juste qu'il faut se rendre à l'évidence. Ça fait des années qu'on n'attendait pas un Planet Coaster. Donc, il y a un moment où... Et que ça fait pas de mal. Une petite piscine, un petit toboggan dans un parc d'attraction, ça fait pas de mal, franchement. Hein, ça fait pas de mal. Qui aurait cru? Bon... Chacun fera ce qu'il veut, quoi.
C'est ça qui est beau. Monsieur Erwan Max, bonsoir. Positionne-toi aussi. Hello, welcome, bonsoir, bienvenue. Oui, de luxe aussi, car ils font tellement un bon taf. Et alors ça, ça c'est vrai, ça fait plaisir. Ça c'est... Et c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui... C'est vrai. Ils font un bon taf sur le principe où ils ont écouté la communauté quand même. Il n'y a pas énormément de jeux, franchement, qui écoutent la communauté. Un jeu comme ça, builder, un jeu de passionné, un jeu de fan, qui, où tu réalises des je sais pas, tu réalises du bonheur, tu construis du bonheur, tu construis du fun, tu passes du bon moment, tu passes des... Et tu peux partager, tu peux échanger, tu peux découvrir, tu peux apprendre, tu peux évoluer, tu peux faire des pauses et revenir encore plus puissant dans la construction, dans le délire. Et Planet Coaster 2... Ah, je pense que j'ai pas assez d'arguments pour pouvoir décrire comment moi je suis totalement client. Je suis totalement client, c'est typiquement le jeu qu'il me fallait, tu vois, qu'il fallait. Ça fait trop longtemps que j'ai dépassé les 4000 heures sur Planet Coaster. Planet Coaster 2 est bienvenue totalement. Mais venez, Planet Coaster, venez, venez, Planet Coaster 2, venez et... avec plaisir, quoi. Vous voulez quoi, de un café, un thé, un steak haché, j'en sais rien, quoi, du coca. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tu pourras upgrade plus tard, ouais, pour Deluxe, de ce que j'ai entendu. Ah bon? Si, tu pourras upgrade plus tard pour le Deluxe. Ben, je sais pas, je sais pas. Mais d'accord, ils nous ont écoutés parce qu'ils ont rajouté tout ce que l'on a demandé. Normalement, c'est ça. Normalement, ouais. Donc, si le jeu est plus optimisé, c'est-à-dire qu'il était plus fluide, tourne mieux, plus de détails, plus de personnalisation... Plus de précision, plus, quoi. Toujours plus. Tu sais, il y a un moment où... Ça va être beau. T'as vu le moteur graphique, quand même. T'as vu le côté... parce que là, on est quand même sur Planet Coaster, le premier. 2016. Comme je le montrais tout à l'heure. C'était quand j'ai mis... 16h45, hein, excusez-moi. 16h45, regarde. On est sur un jeu, quand même, de 2016, déjà. Tu te rends compte, un petit peu, le délire, quand même, des effets et tout ça. Pour un jeu, regarde les reflets. Regarde les reflets dans l'eau. Regarde les reflets dans l'eau. Regarde les reflets dans l'eau pour... Et Planet Coaster 2 va arriver. Non, mais... Planet Coaster 2 va arriver, quoi. C'est des bêtises, hein. Ça va être forcément mieux. Est-ce que si on précommande la version de base, on aura le bonus de précommande? Ah, très bonne question. Si on précommande la version de base, j'ai précommandé la version de luxe. Monsieur One Max, incroyable, Monsieur One Max, évidemment. Bonne idée. J'espère qu'aussi... Hey, Monsieur One Max, j'espère qu'aussi ça va coasteriser en masse, hein, ça va construire... hein. Il va falloir se faire plaisir. Les chemins, oui, les chemins exacts, j'ai oublié de dire aussi les chemins. C'est... Ah, mais tout, je pense que tout va être une tuerie. J'oublie encore des détails, mais ils ont pensé... Bon, après, il y aura l'électricité, il faudra gérer la crème solaire, il faudra gérer les coups de soleil, il y aura la pluie, il faudra gérer la qualité de l'eau... Il y aura les intempéries. Peut-être que la gestion sera un peu plus ouf. Le mode franchise. Il y aura un mode e-sport, entre guillemets. Je dis un mode e-sport compétitif, tout ça. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, il y aura un mode, le mode franchise. Il y aura, je crois que c'est toutes les semaines ou toutes les... Ça sera actualisé ou je sais plus. Enfin bref, peut-être que je dis des bêtises parce que je suis pas extrêmement sûr de ce que j'avance. Mais de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai envie de vous partager... Le mode franchise, il existe déjà dans Planet Zoo, évidemment. Tu vas construire ton parc, ok? Et il sera évalué, et tu pourras voir... Et quand je dis le mode e-sport, c'est qu'il y aura un classement des meilleurs parcs. Donc, en fonction des conditions, des critères, je suppose que c'est ça, tu vois. Donc, du coup, il y aura des gens qui vont faire des parcs, ils vont être évalués au fur et à mesure des semaines, des jours, des semaines, des mois. Et donc, il y aura forcément un classement des meilleurs parcs. Imagine quand même le délire. Imagine le délire. Le workshop sera directement dans le... De ce qu'ils ont montré. Par exemple, tu ouvres une boîte d'outils. Par exemple, je sais pas, moi, on va ouvrir Montagne Russe. Et là, ici, t'as workshop, tu cliques. Voilà, ici. Ici, tu cliqueras sur workshop. Boum, t'auras workshop et clac. T'auras plus besoin d'aller sur Steam, workshop. Enfin, par contre, c'est possible qu'il faudra quand même créer un compte sur Frontière. Faudra quand même aller sur Frontière se créer un compte. C'est possible, ça. In-game, le workshop. Ouais, c'est ce qui est prévu, hein.
Tu pourras construire des toboggans comme les coasters. La première personne aussi, il y aura un délire de première personne et tout ça. Au niveau de la caméra, il y aura un délire de première personne de se balader et tout ça. Parce que tu sais, dans Planet Coaster, c'était d'écrire des codes plus ou moins pour soit conduire les cartes. Tu te souviens les cartes? Les kartings. Conduire les kartings dans Planet Coaster, c'est fallait écrire, je sais plus, je me souviens plus exactement. Et puis pareil, pour être en mode FPS, fallait renommer quelqu'un. Fallait renommer une personne et t'étais en mode FPS. Ils vont ressortir et j'ai tendance à croire qu'il va y avoir des attractions de roller coaster. Je sais pas si vous avez vu le toboggan, la tour toboggan en spirale. Il y avait ça dans roller coaster. Dans roller coaster, on avait une tour. Tu mettais une tour en spirale, mais c'est comme un toboggan avec des tapis. Il y avait ces trucs-là. Ils vont ressortir des trucs qui étaient dans roller coaster. Alors attention, je pense qu'on n'est pas prêt. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt. On va avoir des choses old school. Vraiment. Plus fluide les premières personnes. Ouais, mais j'espère que oui, comme ils ont montré leur parc là, je crois que dans les deep dives qu'ils ont fait, d'ailleurs il va y en avoir un prochainement, je sais pas si mercredi il y en a un. Les deep dives qu'ils ont fait ici, ils montraient, moi j'ai rien limité, mais ici, toi au niveau. Ici ils montraient 6000 personnes, je crois qu'ils avaient 6000 ou 4000 personnes dans leur parc, si j'ai pas de conneries. Non, peut-être que j'ai des conneries. En tout cas, je crois qu'il y avait beaucoup de monde, le jeu tournait fluide, hein. Le jeu était fluide, hein. Ils avaient des piscines, des coasters, des mondes dans les allées, des boutiques. Il y aura des boutiques, des comptoirs. Je sais pas s'ils vont faire des boutiques comme dans Planet Zoo, mais il y a des comptoirs où c'est qu'on pourra mettre notre comptoir et construire notre boutique autour. Ça, c'est super génial. Les boutiques où on pouvait rentrer dans Planet Zoo, c'est buggé du fiacre. Je pense qu'ils ont retiré ça parce que il y a un problème. Moi, j'ai vu que les boutiques de Planet Zoo, c'est buggé. Toi, tu crées une boutique où les gens peuvent rentrer, ça bug. C'est un problème de... Ça bug, ça... Donc, je pense qu'ils ne l'ont pas fait tout de suite. Ça va peut-être arriver par la mise à jour. On sait pas. Après, on sait que de nos jours, maintenant, de nos jours, il y a plein de mises à jour. Deux fois le beau jour. Même les youtubeurs qui ont été invités ont montré leur gameplay incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont joué... ils n'ont pas joué longtemps, je crois, mais ils ont montré beaucoup de choses. Je viens de m'acheter, quoi, une trottinette électrique. Ok. Attends, t'as le permis, iPhone, comment ça s'appelle, Planet Coaster Deluxe Edition, trottinette électrique, MacBook, Erwan Max, sa vie, ça baigne pour monsieur Erwan Max, ça baigne à mort, Disneyland Paris bientôt, monsieur Erwan Max, le 13 janvier, ça baigne Erwan Max, hein, vas-y, ça baigne, hein, ça baigne de ouf, lui, il flotte, lui. Lui, il flotte, c'est sûr. Enfin, bref. Tout ça pour dire, les amis, Planet Coaster 2, ça sera une tuerie, ça va être une valeur sûre, c'est clair et net. Tu n'es pas sûr, prends l'édition 50 balles, il n'y a aucun problème, tu ne seras pas déçu, tu auras du contenu comme jamais. Tu connais le jeu, tu es passionné, tu adores, tu as envie, tu sais que les piscines et puis autres, c'est ton dada, quelque part, et pas que. Tu veux faire du transfert track, tu veux faire du switch track, tu veux faire des coasters où c'est que t'as des... Tu veux reproduire Voltron, tu veux reproduire Hagrid Motorbike. Parce que t'as vu, t'as le truc où c'est clac, tu pourras descendre, monter comme ça. Tu veux faire tout ça. Planet Coaster 2, mon pote. Planet Coaster 2, mon pote. Ça les capite, ça les capote. Planet Coaster 2. Moi, c'est en novembre, Disneyland Hotel. Disneyland Hotel en novembre. Aïe, aïe, aïe. Mais il y en a qui sont incroyablement chanceux ici. Vous avez trop raison. Ça, c'est fait plaisir. Nice. Erwan Max, il va faire des roues arrière avec les oreilles de Mickey et la t-shirt Planet Coaster 2. Ah, les gens, vous savez, les gens, il faut pas regretter. Vous avez tout compris. Il faut pas regretter. Il faut y aller à fond la quête, les gens. Vous avez tout compris. C'est la vie. C'est la Max TV également. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a appuyé sur un bouton, changement incroyable, merci la régie son, merci les ingénieurs, merci les gens qui sont pas là, je pointe personne évidemment, hein, tout le monde l'aurait compris. C'était un agréable plaisir de vous montrer ce genre de Wit Aquatica qui est pas fini du tout, parce que bon, il y a encore un taf à faire. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal cette vue là, on va mettre 14h45, c'est l'heure où c'est que le soleil tape à mort. Bon, on résume un petit peu. Moi, la fin de semaine, week-end, Sequoia. Ah, Sequoia, hey, Sequoia, c'est stylé, il y a une piscine à Sequoia. Je trouve que Sequoia, c'est stylé, c'est pas mal, Sequoia. Franchement, t'as l'impression d'être dans un autre pays. Sequoia, c'est stylé. Moi, j'ai connu Cheyenne, Sequoia. Et il y en a d'autres, il y en a un mexicain aussi. Enfin, il y en a... il y a celui de l'hôtel, là, celui où c'est que... là où c'est qu'il y a la montgolfière, là, tu sais, quand t'es du côté Avenger et tout ça, les hôtels, là.
Et je dis n'importe quoi parce que je suis paumé dans ma tête. Oui, Canada. Ouais, Sequoia, c'est ouf. Franchement, c'est stylé, l'ambiance, elle est incroyable. Elle est incroyable, l'ambiance là-bas. J'aime bien le thème, l'univers, mais oui, il y a une piscine, Sequoia, si je dis pas de conneries. Sequoia, c'est propre, efficace. Je trouvais que le cadre était beau. New York! Ah, New York Marvel! Aïe, aïe, aïe! Ouais, non, mais attends, j'avais oublié qu'il y avait eu un quiz. Et j'avais oublié qu'il y avait eu un quiz Disney avec Monsieur Pepper Ludo. Au final, là, ici, il y a des professionnels, donc je pense que des fois, je dis des choses, les gens sont là à faire. Non, non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est tu te trompes. Je dois me tromper, c'est oui. Oui, c'est ça, la piscine incroyable! Avec de la vraie eau. C'est pas un effet d'optique. Récapitulons ce qui s'est passé ce soir tout de suite maintenant. Piscine Widamax, évidemment. Nous avons ce genre de petite table au gant que j'ai essayé de réaliser assez rapidement avec des supports posés prévus à cet effet. On a essayé de faire ce genre de local technique un peu, tu sais, on a essayé de faire quelque chose de. On a ouvert la porte hein, pour dire que voilà, c'était possible. On a réalisé aussi une petite plage artificielle ici. On a essayé de faire ce genre de petit procédé de plage artificielle tranquillement. Tout ça a été réalisé actuellement dernièrement. Ici, le flat qui a été posé tout de suite. Dernière, c'est la dernière nouveauté, c'est le flat. D'ailleurs, même avant de partir, il faudra bien te couvrir. Car dehors, il fait super froid. J'ai dit, je voulais mettre de la lumière avant de. Voilà, on va mettre ces lumières-là, puis on va voir ce que ça donne. Ça, c'est ce que je parlais de cette situation de. Tu poses des lumières pas forcément toujours au milieu parce que ça fait trop usine, tu vois. Tu les poses au milieu, ça fait usine et on n'a pas envie de ça. Ah oui, vous êtes en petit peut-être, les amis, au niveau de la. Oh, ça va encore la lumière là. Ah, mais j'en ai oublié un, putain! Le mec dit des grossièretés comme ça. Il passe un Avenger. Ouais, c'est pas dégueu cette lumière là. Ah ouais, ce type de bateau échoué, parce qu'après, je vais faire. Faudrait que je joue avec le terrain ici. Si je veux mettre du sable plus par là pour dire qu'il a plus ou moins ensablé. Évidemment, hop, hop, là on voit rien. Hop, hop, et oui, et oui, et oui. On va faire même de. Ça peut être pas mal comme ça, non? Ça fait la différence. Il y a beaucoup de choses qui font la différence. Après, tu vois, je l'ai mis comme ça, le bolt là, mais faudra modifier un peu ce truc là. Faudra. Voilà. Donc, l'idée, elle était là. L'idée, elle était là. Il y avait ça. Il y a eu des choses qui ont été réalisées comme ici, les petites allées, les pierres, les barrières. On a fait une porte ici qui mène vers. Mystère, ni porte ni fenêtre, quel affreux dilemme à résoudre. Non, c'est pas ça, quel affreux problème, tout ça. Ceux qui connaissent. Ah, il y a eu un quiz qui correspond, il y en a qui savent de quoi je parle. Donc voilà, ça, ceci. On a eu tout ça, on a eu tout ça, tout ça, tout ça, là. Fantôme, évidemment, évidemment, fantôme, incroyable. Hazenwood et tout le tralala. Léota et. Léota, la dire la dada. Là, tout ça, là, il faut continuer à bosser. Parce que, regarde, il y a des. C'est en chantier, hein, c'est en pourparler, quoi, quelque part. Regarde, ici, il y a un peu. Il y a beaucoup de pierres ici. Il hein. Faut trouver une solution parce que j'ai essayé des choses, mais. Je sais pas encore comment ça peut, tu vois. Bon. Il y a ça, après, on a mis quelques plantes. On a mis quelques plantes à certains endroits ici, tu vois, on a essayé de. Là, c'est les chutes d'Igara. Elle est toujours là ou pas? Les chutes d'Igara? Évidemment. Le flume.
On a mis quelques petites plantes, on a mis un peu de végétation ici. J'aime bien cette zone aussi, elle est, c'est assez magnificos. Assez magnificos ces trucs là. Là, là je dis plus rien, quand je dis plus rien franchement ça s'entend. Même moi je me rends compte que je parle beaucoup trop. Là, faut que je finisse le livre plus ou moins là, tu vois, là je voulais mettre le livre à l'intérieur, là je voulais mettre l'abrité parce que je sais pas, je voulais voir comment on pouvait réaliser un livre plus ou moins ce genre de flume. Là, pour l'instant c'est basique, hein. Les murs sont posés, le toit c'est assez simple, hein. C'est simple, simple et efficace. Il va y avoir de la thématisation hein, à l'intérieur les amis, vous avez vu, on commence un peu à thématiser là. On fait des choses, on va avoir... D'ailleurs les plantes, non ça va. On va avoir de la thématisation en plus, c'est que le début. Hein. C'est que le début, tu vois. Petite théma, tranquille, on a encore du taf, quoi. Et d'abord le décor, et puis tu mets le coaster ou l'inverse? Ah, toujours, enfin toujours. Assez souvent, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je réalise le ride, et je thématise au toit. Je thématise beaucoup, beaucoup du layout qui existe, ce que j'ai fait. Et ouais, je thématise beaucoup autour de l'attraction déjà réalisée. Je commence par l'attraction, quoi, au final. Avant, je faisais un peu les deux. J'ai vu que c'était... J'étais jamais... Comment dire, enfin, j'étais jamais d'accord. C'était... J'étais jamais sûr de moi. Jamais... comment on appelle ça Jamais satisfait, voilà, c'est ça. J'étais jamais satisfait. Quand je réalisais le coaster et en même temps la déco, j'étais jamais satisfait. Du coup, je le finissais quasiment jamais. En tout cas, la déco, je la finissais quasiment jamais. Après, je me suis dit, je vais faire le layout, je vais faire le trajet, je vais faire le coaster, je vais faire l'attraction, et je la thématise après. Et comme ça, j'ai vu que j'y arrivais un peu plus, parce que sinon, c'était un des chantiers de mirobolant. Des chantiers qui prenaient des mois et des mois et des mois et des mois. Alors que là, le fait de juste thématiser... Après, c'est vrai que tu passes ton temps à thématiser, au final. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, tu vois. Dans plein de projets que j'ai réalisés, que j'ai fait, tu passes ton temps à thématiser. Dans ces cas-là. Mais c'est le but du jeu, hein. Choisi. Hein. Voilà, évidemment, là, il y a des éléments ici, c'est des pour en construction, hein, c'est pas fini. Hein. Tu prends note. Je pense que ça dépend ce que tu veux réaliser, hein. Tu vois. Je pense que ça dépend ce que tu veux réaliser, parce que par exemple, pour tout ce qui est Dark Ride, par exemple, pour tout ce qui est Dark Ride, je pense et je suis convaincu que construire ton Dark Ride et le thématiser au fur et à mesure, c'est une très bonne idée, parce que faire ton layout, faire ton trajet et le thématiser après, tu vas rencontrer beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes de positionnement, de place, de surface d'échelle, tu vois, pour les Dark Rides. Par contre, pour les autres, c'est pas obligatoire. Et ça, je te parle par rapport à mon point de vue, hein, c'est mon analyse des choses. Je sais que pour les Dark Rides et d'autres petites attractions dans ce style-là, les drôles, les interactifs et tout ça, c'est bien de faire en même temps. Au moins, t'es sûr de respecter tes proportions, t'es sûr de respecter les différentes zones dans lesquelles les wagons interviennent ou interagissent ou rentrent en action ou sont, tu vois. Mais des fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Des fois, c'est bien de faire la thématisation, puis après, de faire passer ton truc dedans. En tout cas, pour les coasters, pour tout ce qui est coaster, je pense que thématiser autour, c'est pas très grave encore. Mais encore une fois de plus, hein, ça dépend de ce que tu cherches à faire et de comment tu veux le faire. Si tu veux créer quelque chose de toute pièce inventée, si tu veux reproduire, je pense que reproduire, il faut mieux que tu avances au fur et à mesure. Reproduire quelque chose d'existant, il vaut mieux que tu construises le layout, tu thématises. Construis le layout, tu thématises. Après, tu thématises, tu fais avancer le layout, tu thématises. J'imagine que c'est très, très intelligent de faire comme ça. C'est ce qu'il faut faire, l'attraction, puis la déco. Ouais. Moi, c'est ce que je crois que ça marche bien, comme ça. Des fois, tu peux penser ton tracé en fonction de ce que tu veux faire comme thématisation. Oui, oui, c'est vrai, tu peux penser ton tracé, mais tu peux aussi penser la déco quand tu... Tu peux aussi penser... Après, c'est plus facile de penser le tracé que la déco, que la thématisation, mais tu peux penser ta thématisation quand tu fais ton layout, quand tu fais ton tracé. Et moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai réagi ces derniers temps, c'est ça. Et quand je commence à mon tracé, je vois comment je vais thématiser autour. Mais il est vrai que... À chaque fois que je fais ça, je rajoute plus, je thématise encore plus que ce qui était prévu.
Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. De toute manière, chaque chantier a sa complexité, a ses problèmes, a ses aléas, a ses pour, a ses contre, a son niveau de réflexion. C'est qu'il y a des choses que tu t'es dit, je vais faire ça. Donc je vais passer, je vais faire un virage, je vais mettre une porte là. Et puis une fois que tu l'as réalisé, tu vas faire, ah mais en fait la porte, je vais peut-être la mettre avant et après. Attends, la place alors que tu voulais la mettre que après. Ou tu vois, ce que... C'est chaud. C'est très chaud. Moi j'arrive à Théma en train de la mine. C'est pour ça que je demande à un pro. J'arrive à Théma en train de la mine, c'est pour ça que je demande à un pro. Tu demandes à qui? Un pro? Il y a des gens qui sont doués pour thématiser beaucoup. Tout ce que tu peux leur faire comme tracé, il y a des gens qui vont être doués à thématiser. Il y a des gens qui vont être doués à faire des tracés. Il y a des gens qui vont être doués à faire les deux. Et il est vrai que si tu veux exceller dans tous les domaines, eh ben ça va te prendre énormément de temps. Car le temps, c'est la patience. La patience et du temps. Le temps, c'est pas de l'argent dans ce moment-là. Tout ce que tu entreprends dans Red Coaster, quand tu veux vraiment le réaliser à un point de cinglé qui est quelque part, ça prend du temps. €6 pour aller se baigner, on est bien, on n'est pas bien, paiement sans contact et tout. Pas de problème. The Big Thunder Mountain. Ah, Big Thunder Mountain, c'est stylé, mais c'est du taf. Pour la reproduction de Big Thunder Mountain, c'est du taf. Moi, j'ai pas reproduit un Big Thunder Mountain, j'en ai fait un à mon image, à mon goût, on va dire. Ouais, on peut dire à mon goût quand même, quelque part. Je sais pas s'il y en a qui ont vu. Il y a quelques petits replays de live sur YouTube. C'est particulier, c'est un style, quoi. C'est pas forcément une reproduction, on peut pas reproduire. Moi, pour ma part, je peux pas reproduire ces choses-là, c'est tellement fort. Tellement fort, ouf. Tu vois? J'ai pas. Pas d'image directement. J'ai pas d'image sur ce PC là, c'est mon autre PC qui gère les images par rapport à ça. Je vais même pas vous montrer. Je cherchais, mais. C'est compliqué. C'est compliqué. Dans le style, le plus complexe, c'est la montagne. Ouais, si tu veux respecter les proportions, le plus complexe. Si tu veux respecter les proportions dans le tracé, dans les proportions, ouais, le complexe, c'est la montagne. Mais il est vrai que même la gare. La gare et les éléments de déco dans la montagne au niveau de tout ce qui est structure en bois, c'est pas évident non plus. Hein. Et c'est plein de petits détails, tu vois, il y a beaucoup de petits détails que tu vas mettre en place que au final quand le train passe ou quand les gens vont pas faire attention, sauf les fans. Les fans ou les fans, les professionnels ou les acharnés ou les fanatiques, les passionnés fans, je sais pas comment on peut résumer, de regrouper tout, ils vont voir tout ce genre de petits détails. C'est comme plusieurs fois j'ai expliqué à quel moment tout le monde regarde en l'air quand tu montes, hein, quand t'es sur un lift. Quand t'es sur un lift, à quel moment les gens vont vraiment regarder au plafond, regarder en l'air, ou parce que tu sais, des fois, les gens vont juste regarder toujours devant. Alors qu'en fait, il y a des petits détails, des trucs qui se passent à droite, à gauche, pendant que tu montes, pendant que tu vois. Et tout le monde n'a pas la même vision des choses en tant que visiteur, je pense, en tant que visiteur lambda, aléatoirement, tu vois, aléatoire. Les gens, ils vont te dire, enfin, ouais, j'ai bien aimé ça, mais... Et après, tu dis, ouais, mais t'as vu qu'il y avait ça, puis ils vont te la faire. Ah bon, non, tout. Et peut-être que le fait de leur avoir parlé, de leur avoir ramené cette information-là, la prochaine fois, ils vont dire, ah tiens, tatati, tatata, et hop, clac, bim, déclic. Et oui, il est passionné, évidemment. Je l'ai fait, quoi, une semaine juste pour la montagne. Ah ouais. Bah moi, j'ai fait le projet Big Thunder en des mois. Et c'est pas un... Moi, c'est Big Thunder Moumout, je l'ai appelé. La force de le faire, on regarde partout. Oui, c'est vrai, ça. Comme un Mickey caché dans un lift du BTM. Oh.
Il y a un Mickey caché dans un livre du BTM? Ah bah j'ai pas fait assez moi alors. J'ai pas fait assez. Alors si le Mickey il est caché dans les deux moments où c'était dans le noir, bon. Ah ouais? Je savais pas. Comme trouver le dessin l'Indien de l'oiseau tonnerre sur le dernier livre. Dommage, il n'y a plus l'oiseau tonnerre. Ah! Ah! Il n'y a plus, apparemment. Ah, il y a des choses, c'est fini, quoi. Il y a des choses, c'est fini. Je sais pas si ça voit bien. C'est pas Big Thunder, ça. Ah, je regarderai. C'est de l'eau. C'est de l'eau du lac. C'est l'eau des geysers à côté de. Le fantôme manoir. Ah les amis, incroyable. Ok, hop, hop. Comme la tombe aquatique de Boot Hill. La tombe aquatique de Boot Hill? Je connais pas. Je connais pas tout ça, en fait. Il y a beaucoup de choses que vous savez que je ne sais pas. Évidemment. Je suis pas assez fan, je pense. Et bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rencontrer des gens et de partager avec des gens qui savent, qui connaissent... qui d'autant plus comment dire sont passionnés et aiment le délire, l'univers, la magie de tout ça, tu vois. Il n'existe plus, ah d'accord. C'est le protecteur de la mine qui a fait des morts dans la mine et a tremblé de terre sur la ville de Thunder Mesa. Ok, parce que je sais qu'il y a le délire de la pépite. Je sais que le Razonwood, enfin le Phantom Manoir, c'était le propriétaire de la mine. Le manoir de Phantom Manoir. Elle était là il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Il l'a retiré quand? Il l'a retiré en 2023. En 2024, elle y est déjà plus. Peut-être c'est ça. En tout cas, les amis, je vais faire un au revoir Twitch YouTube. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Attendez, on fait un au revoir Twitch YouTube, je vais sauvegarder. On va communiquer entre nous. Incroyablement, comment c'était. Merci à toutes les personnes qui sont venues encore une fois plus. Twitch YouTube. Jeux vidéo, c'est que jeux vidéo. Au revoir Twitch YouTube.